Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul enfant. Donc des vêtements que j'ai achetés notamment pour mes deux garçons. J'ai repris quelques pièces pour mon fils de 6 mois, mais vraiment que 2-3 articles. Je me suis plutôt concentrée sur mon fils de 6 ans, puisqu'en fait, j'avais déjà acheté quelques articles avec mon mari, mais on pensait qu'il les mettrait donc à la rentrée de septembre. Et finalement, on ne s'est pas rendu compte à quel point il avait vite grandi. Et du coup, il était nécessaire qu'on refasse un petit peu sa garde-robe. Du coup, bah, les vêtements qu'on a achetés, donc notamment à la halle, il va les porter donc maintenant. Et du coup, il nous manquait pas mal de hauts, de t-shirts. Donc j'ai passé plusieurs commandes pour lui. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc tout d'abord sur le site de Kiabi en fait, j'ai craqué pour ce petit gilet en fait. Donc il est gris, tout simple en fait. Donc il n'y a pas de capuche. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les petites coudières. Donc au niveau bah, des coudes hein, évidemment. Il n'y a pas de fermeture éclair, c'est que des petits boutons qui se présentent comme ça. Donc à enfiler, ce sera juste ultra pratique. Il est gris comme ça, chiné, un gris foncé. Franchement, j'ai trouvé trop trop chouette. Et celui-ci, donc au lieu de 18 euros, donc je l'ai eu à 14,40 €. Donc j'ai passé commande sur le site internet. Donc je pense que vous pouvez le retrouver sans trop de difficultés. Franchement, il est vraiment très joli. Toujours dans cette commande qui d'ailleurs n'était que pour lui. Je lui ai commandé des sous-pulls en fait qui étaient donc à 3,20 € pour le bleu marine au lieu de 4 euros. Puisque en fait à l'école maternelle, je pense d'ailleurs dans toutes les écoles maternelles de France, les écharpes sont interdites. Donc du coup il a un col, mais bon, à chaque fois que je le vois dans la récréation, il le porte très très rarement. Donc je me suis dit au moins avec un sous-pull, eh ben, je suis certaine que son petit cou sera bien au chaud. Donc c'est un sous-pull tout ce qu'il y a de plus basique. Donc je lui ai pris donc deux bleus marines. Et je lui ai pris donc deux gris. Et les gris, eux, ils étaient à 3,60 € au lieu de 4 euros. Donc pas tout à fait le même prix. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est exactement le même modèle. Donc à chaque fois, je lui ai pris les vêtements donc en 8 ans, c'est-à-dire du 126-131 cm. Puisque là, il fait un peu plus de 122 cm. Donc du coup, bah, c'est cette taille-là qui lui fallait. Surtout qu'en plus, il est un peu potelé. Donc ça, les sous-pulls, c'est vraiment très pratique. Et ensuite, je lui ai pris donc ce petit pull en fait, qui est une maille quand même assez fine. Mais je me suis dit qu'avec justement l'un des deux sous-pulls bleu marine en dessous, ce sera parfait. Donc il est bordeaux avec des rayures bleu marine, donc en col V. Et celui-ci, en fait, au lieu d'être à 8 euros, donc je l'ai eu à 5,60 €. Donc l'avantage de ces petits pulls fins, en fait, c'est qu'il fera parfaitement l'hiver avec un sous-pull et un t-shirt en dessous. Et au printemps, simplement avec un petit t-shirt manche courte en dessous. Ensuite, je lui ai pris aussi un sweat. Donc il se présente comme ceci, pareil, dans les tons bleu marine et les manches bordeaux. Il existait dans des couleurs claires, blanc et gris clair, il me plaisait beaucoup, mais bon. Je me suis dit qu'il allait faire peau de chagrin. Et donc, je l'ai payé 6,40 € au lieu de 10 euros. Voilà, c'est un petit sweat, ma foi, assez basique. Mais pour l'école, avec un jean, ce sera parfait. Ensuite, chez CA, je vous en avais parlé lors de mon haul précédent. Donc, pour moi, j'avais craqué pour ce petit pull-là. Donc, c'est un bleu chiné avec des petits détails comme ça en velours juste au niveau des épaules. Je l'ai trouvé très, très chouette. D'ailleurs, pour son petit frère chez Zara, j'avais craqué sur une veste qui était comme ça avec des petits empiècements velours. Franchement, très, très chouette. Et lui, il était à moins 60 %. Donc, je l'ai eu à 4,80 € au lieu de 12 euros. Donc, franchement, j'étais trop contente de tomber dessus. Ensuite chez Zara, donc comme je vous l'avais expliqué, j'avais acheté des vêtements pour moi, que j'ai ramené, j'ai échangé. Bref, et le dernier échange que j'ai fait, donc j'ai échangé pour un article pour lui. Donc c'est cette veste donc, comme ça qui est vert kaki, donc avec des petites poches. Donc c'est une fermeture éclair. J'ai beaucoup aimé cet effet un peu matelassé au niveau des épaules. Donc cette fois-ci, il y a une capuche. Franchement, je l'ai trouvée trop trop belle. Et celle-ci, je l'ai eue à 14 euros, il me semble. Oui, c'est ça, elle était à, enfin, on va dire 15 euros au lieu de 26 euros. Donc, j'ai trouvé la solde plutôt sympa. Pareil, j'ai pris en 8 ans. Et franchement, elle est vraiment très très chouette. Et ensuite, je vais poser ça là. Donc, j'ai passé commande cette fois-ci donc sur le site internet. Donc, la plupart, enfin, j'ai pris 5 pièces pour mon fils de 6 ans et 5 pour mon fils de 6 mois. Donc, pour mon fils de 6 mois, c'était pas soldé, mais c'était des petits prix. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, pour mon fils de 6 ans, tout d'abord, j'ai craqué pour ce t-shirt-ci. J'ai trouvé vraiment trop trop joli. Donc il est bleu marine avec des détails comme ça au niveau du bleu ciel. Vraiment très sympa. Il y a une petite poche ici. Donc voilà le petit détail. Il aime beaucoup lui, les petites poches comme ça. Il met toujours plein de choses dedans. Donc bonjour la machine à laver, mais il aime bien. Et celui-ci, donc je l'ai eu à 8 euros au lieu de 11 euros. Donc voilà, j'ai trouvé. Enfin,
exactement 7,99 au lieu de 10,95. Voilà, je l'ai trouvé très sympa. Je me suis dit, avec un jean bleu foncé, des petites baskets, il sera bien content à l'école. Ensuite, j'adore celui-ci. Donc, c'est un dans les tons gris, en fait. Donc, au niveau de... Vous avez, en fait, un effet un peu bimatière. En fait, en haut, ça fait comme un effet lin. Et en dessous, ça fait comme un effet coton légèrement rayé. J'aime beaucoup. Pareil, au niveau des manches, ça reprend cet effet un petit peu lin, légèrement, avec un petit effet ici, un peu comme si on l'avait retroussé. Et vous avez aussi une petite poche avec un bouton, trois petits boutons au niveau du col. Franchement, je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Je me dis qu'il va être trop craquant là-dedans. Et pareil, je l'ai eu à 7,99 au lieu de 10,95 €. Ensuite, je lui ai pris donc un basique. Donc un gris comme ça, un gris clair en fait, donc qui peut être parfaitement retroussé au niveau des manches puisque vous avez un petit bouton. Alors ça c'est parfait parce qu'il peut le porter soit manche longue, soit manche retroussée, donc en fonction de la saison. Donc vous avez trois petits boutons pareil au niveau du col, une petite poche. Il est assez simple mais franchement je l'ai trouvé trop chouette et il était celui-ci à 4 € au lieu de 6 €. Enfin pareil, un 3,99 au lieu de 5,95. Donc voilà, un petit basique. Plutôt sympa. Du coup, je lui ai pris le même en bleu marine. Donc pareil, avec cette possibilité, avec le bouton ici, de retrousser les manches si on le souhaite. Pareil avec la petite poche. Ici, pareil, les trois petits boutons. Donc voilà, en bleu marine, pareil, c'est une couleur qui passe franchement avec tout. Même chose, hein, 3,99 au lieu de 5,95. Et à chaque fois, donc j'ai pris en 8 ans. Et pour finir, je lui ai pris donc ce t-shirt-ci. J'aime beaucoup beaucoup aussi. Donc il est comme ça un peu chiné de différents bleus, donc avec quelques touches de blanc, avec pareil ces trois petits boutons, la petite poche, les manches longues. Franchement pareil quoi, ça fait des petits hauts assez simples, mais à la fois ils font un petit peu habillés, ils changent un petit peu des t-shirts basiques ou des t-shirts floqués dinosaures et j'en passe. Donc pareil à 7,99 au lieu de 10,95 €, donc franchement je suis très contente. Du coup, en fait, bah, quand on s'est aperçu en faisant le tri dans son armoire, clairement, il fallait qu'on renouvelle absolument les stocks. Du coup, on lui a repassé une petite commande il y a quelques jours, là, très récemment, où on lui a repris deux t-shirts, deux pulls et une veste. Mais je vous présenterai ça dans un haul, je pense, début février, quelque chose comme ça, puisque j'ai demandé la livraison en boutique, donc le temps que je les reçoive. Et après, ce sera bon, puisqu'en pantalon, on a ce qu'il faut. Et nous, en général, on lui prend les jeans qui sont faciles à enfiler, en fait, sur le site de H&M, parce que d'une, ils ne sont pas très chers, je crois qu'ils tournent aux alentours des 8 €. Et surtout, il adore être là-dedans, ils sont hyper confortables. Et comme il est un petit peu rond, voilà, ça ne lui colle pas à la peau, il est libre de ses mouvements. Et pour les jogging, on lui prend pareil les basiques H&M, donc cette fois-ci en boutique, puisque sur Internet, la promo ne se fait pas. C'est deux jogging achetés, le troisième offert, et pareil pour l'école, ça suffit largement. Donc ensuite pour mon petit bonhomme de 6 mois, pareil, donc là tout doucement on glisse vers le 80 cm. On s'est dit bon, on a ce qu'il faut en 80 cm, entre les soldes et tout. Il a une belle armoire, mais du coup je me dis 86 va arriver à grands pas. Et en fait sur Zara vous avez souvent des pièces à petit prix mais qui restent très peu de temps. En fait c'est des collections qui passent très très vite, alors on se dit on attend, puis finalement après on trouve plus. Donc du coup je me suis dit je vais les prendre maintenant en passant la commande de mon fils aîné. Donc c'est des petits t-shirts comme ça à 4,95 €. Donc je lui ai pris en 86 cm, donc tout de suite la taille qu'il portera d'ici quelques mois, mais au moins j'aurai un peu d'avance sur ses prochains vêtements. C'est des t-shirts qu'il a déjà actuellement en 74 cm. Je me souviens pas si je lui en ai pris en 80, mais ces t-shirts sont ultra pratiques puisque vous avez une ouverture facilitée donc au niveau du cou, cette petite poche qui fait le petit détail. C'est un gris assez simple, je mets ça souvent avec un petit jean ou un petit bas bleu et franchement c'est trop mignon. C'est impeccable. Donc du coup pareil, donc ça c'est pareil, j'ai tout pris en 86 cm. Donc pareil, au lieu de 4,80 au lieu de 4,95 à 4,95 pardon. Et donc je lui ai pris en bleu marine comme ça, pareil avec la petite poche, le petit bouton et puis l'ouverture facilitée. Franchement une bonne très bonne qualité puisque ceux qu'il a en 74 cm, je les ai lavés, relavés, triple lavés et aucun souci, ils n'ont pas bougé.
Ensuite, je lui ai pris celui-ci, donc une petite marinière, parce que moi j'adore les marinières. Donc pareil, toujours la collection à 4,95 €. Donc pareil, en 86 cm. Donc une petite marinière comme ça. Donc je me dis que ça, il va certainement le porter à l'été, voire à la rentrée. Donc ça, pareil, avec un petit jean et tout, des petites chaussures. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette ouverture facilitée. Je pense que pour les mamans qui ont des bébés de 6 mois, enfin dire moins d'un an, l'ouverture facilitée, c'est vraiment ultra pratique puisqu'il commence à gesticuler pas mal. Au niveau de la poche, vous avez un petit dessin, on dirait une petite soucoupe volante. Voilà, c'est tout mignon. Et ensuite, je lui ai pris deux bas puisque pareil, ils étaient franchement pas chers. Donc par rapport à ceux que j'ai eu en solde, on se retrouvait à peu près sur la même gamme de prix puisque je l'ai eu à 6,95 €. Donc pareil, hein, comme je vous disais, j'ai pris que du 86 cm. C'est un petit jogging comme ça, bleu turquoise, avec des petites poches. Toujours cette possibilité de resserrer avec cette petite cordelette. J'aime beaucoup leur jogging chez Zara, je les trouve très beaux. Ils sont pas trop larges, que moi, mon fils, le deuxième, est assez fin. Pour l'instant en tout cas, et du coup voilà, qu'on puisse resserrer un petit peu si nécessaire. Et je lui ai pris exactement donc le même en gris clair, donc pareil à 6,95 €. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est le prix à peu près que je paye des jogging H&M, donc ça valait le coup avec les petites poches pardon, et cette petite cordelette pareil pour resserrer au niveau de la taille si nécessaire. Donc voilà. Donc pour les soldes de mes garçons, c'est terminé. Comme je vous disais, j'attends juste une dernière commande. Donc pour mon fils, une petite commande Zara, puisque vraiment on s'est aperçu que bon, il va porter ces vêtements-là un petit moment, puisque là, à la dernière visite médicale, il faisait 1,22 m. Donc là, c'est du 1,28 m, donc 128 cm. Donc je pense que ça va nous durer probablement tout l'été jusqu'à la rentrée. C'est pour ça qu'on s'est permis d'acheter un petit peu plus que prévu. Donc je pense qu'on va les recevoir cette semaine. Donc je pense que je vous les présenterai dans un haul. Au mois de février, et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé aussi plein de petites choses intéressantes, notamment pour vos enfants, puisqu'ils grandissent très très vite. Donc on n'a pas forcément envie de mettre des 1000 et des 100, puisque ça passe trop trop vite. Bon, nous, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'enfants dans la famille, donc les vêtements sont jamais perdus et vont servir au prochain. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao!